dinosaures. Aujourd'hui, je vais vous montrer que 1 sur sinus de x plus 1 sur cosinus de x, c'est égal à pi sur 2. Et même que c'est moi qui ai trouvé le résultat tout seul. Je vais l'envoyer au CNRS. Eh oui, trop fort, Jojo. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille. C'est parti. Donc je pense que tout le monde est d'accord avec ce qui a marqué à l'écran. Sauf que quand on s'appelle Jojo, on reconnaît la dérivée de arcsinus et la dérivée d'arcosinus. Donc ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on intègre l'égalité. Et donc on obtient que arcsinus plus arcosinus est égal à un nombre k, avec k la constante. Sauf que on peut se demander... à quoi est égal à k? Si on mettait une valeur de x pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc on va prendre la valeur x est égal à 0 et on remplace dans l'égalité. Donc arcsinus de 0, ça renvoie 0 parce que arcsinus est une fonction impaire. Et arcosinus de 0 renvoie pi sur 2. Parce que cosinus de pi sur 2, ça fait 0. Et vu que c'est la fonction réciproque, bah ça retourne. Du coup, on trouve que k est égal à pi sur 2. Sauf que et arcsinus et arcosinus, ça peut s'écrire autrement. On peut écrire ça comme sinus puissance moins 1 de x plus cosinus puissance moins 1 de x égale à pi sur 2. Et quand on a une puissance moins 1, eh bien on peut retourner la fraction. Parce que a puissance moins 1, ça fait 1 sur a. Donc on obtient 1 sur sinus de x plus 1 sur cosinus de x est égal à pi sur 2. Et oui, il est fort le Jojo, hein. Trop fort. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Et là, c'est vraiment très très fort ce que je vous ai montré aujourd'hui, hein. Je pense que c'est même la première fois que vous voyez ça. Et oui. T'aimes une vidéo, tu fais quoi? Hein, tu fais quoi? Et comment tu partages, tu t'abonnes et tu likes? S'il te plaît. Allez. Sinon, on se dit à très très vite. Bisous.